Je savais qu'elle viendrait. Un jour, qu'elle voudrait ce pouvoir pour elle-même. Au lieu de cela, elle a commis l'impensable. Là, elle va s'en prendre à tout le monde. Elle veut terminer ce qu'elle a commencé. Et briser tous ceux qui se sont mis en travers de son chemin. Ceux qui ont maintenu l'unité d'Azeroth seront dans sa ligne de mire. Bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour parler eh bien, de cette cinématique qui, ma foi, est fort intéressante. Il y a de très bonnes choses dans cette cinématique. Globalement, je vais vous dire ce que j'en pense. Je la trouve vraiment pas mal. Elle illustre des choses intéressantes. Elle fait une bonne transition entre BFA et la cinématique, on va dire, d'intro de Shadowlands. Puisqu'elle se passe, bien sûr, comme vous l'avez vu, juste après la cinématique d'intro de Shadowlands. Donc CGI puis celle-ci. Et au final, elle introduit de bonnes choses. Ayant eu l'occasion, ayant eu la chance de jouer à la bêta, elle introduit à pas mal d'éléments importants aussi pour la bêta et le pré-patch et autres. Par contre, malheureusement, eh bien, il va falloir parler de certaines choses, puisqu'on va commencer donc décrypter image par image, avec eh bien, le départ. Alors évidemment, eh bien, Wrath of the Lich King, tout ça nous a ravis, nous a donné de belles choses, et on va commencer par... en fait, quasiment tout ce qui va pas dans la cinématique est là, en fait, quasiment, dans ses premiers plans, puisque... Tout d'abord, déjà, Acherus flotte. Acherus, hein, qui, je le rappelle, est la nécropole, enfin la nécropole ou tout simplement l'Ebon Blade, donc la lame d'ébène, les chevaliers de la mort, et qui ont dit fuck au roi Lich, eh bien se regroupent, s'entraînent, etc. Alors, en petit rappel, ça n'a jamais été retcon ça, hein, même par Wotelka. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, comment est-ce que les nécropoles volent? Vous êtes peut-être jamais posé la question. Bah, c'est répondu dans Warcraft 3, dans le manuel de Warcraft 3, c'est la magie du roi Lich. Donc voilà. Donc ce qu'on va dire tout simplement, c'est que Northrend est une zone à faible gravité, hein, très probablement. Et comme c'est une zone à faible gravité, eh bien il y a des cités qui s'envolent, hein. Wink wink. Donc vidéo sur Wotelka, tout ça, tout ça. Donc bon, après les Bone Blade, on pourrait très bien revenir à Wotelka. Pourquoi du coup déjà à l'époque la nécropole s'envolait? Sur le papier, c'est le roi Lich qui fait qu'elle s'envole. On aurait pu imaginer que les Bone Blade fait sa propre sauce, arrive à la faire soulever, tout ça. Ok. Sauf que là, le roi Lich vient d'être détruit. On pourrait même se poser la question, est-ce que les chevaliers de la mort ont encore leur pouvoir? Sans roi Lich, plus de pouvoir. Même si le roi Lich est encore présent, il y a une partie de leur pouvoir, etc. A la base, les chevaliers de la mort, s'ils ont leur pouvoir, c'est grâce au roi Lich, qui transmet une partie de son pouvoir et autres. Donc, c'est un petit peu le bordel. Mais bon, à la limite, ok, Acherus flotte, pas de problème. Alors, là, on voit donc deux chevaliers de la mort qui escortent notre ami Bolvar. Là, c'est vraiment le moment où il y a beaucoup de choses à dire. Commençons tout simplement, qui sont ces chevaliers de la mort? Si vous avez suivi la vidéo sur les chevaliers de la mort, si vous avez suivi la vidéo aussi sur Arthas et potentiellement le futur du fléau, vous connaissez, on a fait la campagne de Légion avec Evanescent, et vous connaissez du coup ces deux personnages-là. Vous avez Nazgrim à gauche et Whitemane à droite, qui font partie des deux cavaliers du fanservice, de l'Apocalypse, d'Ebon Blade, donc de la lame d'ébène. Si vous avez vu les vidéos, vous savez à peu près qu'il y a eu des petits soucis, c'est-à-dire qu'au départ, les Ebon Blade, les chevaliers de la mort, sont censés être indépendants et ne reconnaissent plus le roi Lich. Et pendant la campagne de Légion, en fait, on se rend compte que petit à petit, Bolvar il commence à reprendre la mainmise sur les Ebon Blade, sur la lame d'ébène, et que finalement, il va même, pendant la campagne de Légion contre la Légion, il va relever les chevaliers de la mort. Ces deux-là en font partie.
Par exemple, Darion est le chef des quatre cavaliers. Darion, lui, il a été relevé par Arthas. Donc, Darion n'a pas spécialement de grief à l'égard de Bolvar. Mais en fait, eh bien, pendant la campagne, on va relever trois chevaliers de la mort. Nazgrim, que vous voyez ici, l'orc, Whiteman, que vous voyez ici, humaine, et Thoras Trollbane, Thoras Trollmore, le roi de Stromgarde, humain. Il y a un petit souci, en fait. Il y a un petit souci. Si vous connaissez un petit peu mes vidéos, vous savez que quand on relève quelqu'un, on utilise de la nécromancie pour ramener un mort à la vie, ce qui crée un mort vivant, son âme est damnée, tout ça, tout ça. Rappel, cette extension tourne autour de Sylvanas. Quel est le principe de Sylvanas? Elle était vivante, elle a été tuée, elle a été relevée. Depuis, eh bien, elle a mal vécu sa mort, très très mal vécu sa mort, et elle a voué une haine infinie à l'égard des deux responsables qui l'ont relevée, à savoir Arthas, qui a directement relevé, et le roi Lich, Ner'zhul, de l'époque. Évidemment, on sait que maintenant le geôlier est un des créateurs du roi Lich, tout ça, donc probablement que cette haine est aussi vouée à l'égard du geôlier, on n'en sait rien, on verra avec Shadowlands. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a la haine envers celui qui l'a relevé. À Légion, donc petit rappel quand même, Nazgrim. Pourquoi Nazgrim et Whitemane obéissent à Bolvar? Pourquoi ils continuent de servir Bolvar? Je rappelle que maintenant qu'il n'y a plus de roi Lich, ils sont libérés de son contrôle. Alors, soit ils se déchaînent, comme on nous l'a toujours dit à Hotelka, mais bon, là, souvent, c'est plutôt dit pour les morts-vivants décérébrés. Mais dans tous les cas, même s'ils sont pas décérébrés et qu'ils continuent d'avoir leur propre libre arbitre, un petit peu l'image des réprouvés, bah, en fait, Whiteman, elle devrait lui enfoncer un pieu dans le cœur, en fait. Genre, à quel moment, mais personne se pose la question, personne ne se la posera, pourquoi ils obéissent à Bolvar? Pourquoi ils l'aident? Enfin, et surtout que le pire, c'est qu'à Légion, ils ont essayé d'expliquer que Whiteman, qui a toujours traqué, qui a toujours détesté les morts-vivants, l'a ramené en tant que mort-vivant, ça lui a changé sa manière de penser, elle est devenue extrêmement sadique, extrêmement sadique, et du coup, on a un petit peu pioché dans le caractère de Sylvanas, en mode, oui, effectivement, Sylvanas, la mort l'a traumatisé, l'a transformé encore plus en connasse, elle était déjà un peu connasse de son vivant, mais alors en mort, c'est encore pire. Whiteman, on sait que c'était une connasse de son vivant, vous l'avez affronté d'ailleurs, elle a plus un chara-design propre, et ils n'ont toujours pas refait le modèle, c'est dégueulasse, hein. Je vous laisse aller voir, vous tapez Sally Whiteman, Ebonblade Project, allez voir, c'est fan art, ça c'est vraiment un truc pour pouvoir faire Whiteman un chevalier de la mort crédible. Parce que là on reconnaît pas, hein. Je veux dire, que, sauf si vous connaissez le perso, vous la reconnaissez pas Whiteman, hein. Tous ces signes distinctifs sont pas là. Donc, Whiteman, on essaye de la sylvanasiser à Légion, j'ai envie de dire. Bah ouais, mais dans ce cas, elle doit traquer et tuer celui qui l'a relevé, son nécromancien, quoi. Donc bon. Nazgrim, parlons un peu de Nazgrim. Nazgrim, on le rappelle, c'était un pro-Garrosh, un orc qui a servi Garrosh jusqu'à son dernier souffle et qui est mort lors du siège d'Orgrimmar à la fin de Mist of Pandaria. Nazgrim, c'est un pro-horde anti-alliance. C'est vraiment dans le bifactionnisme, c'est l'orc anti-alliance pure. Les humains, c'est faites les quêtes de mop, etc. Ils détestent littéralement les humains. Il veut tous les buter, il veut les tuer, etc. Dans le bon gros orc random, quoi. Et en plus de ça, Nazgrim, quand est-ce que vous l'avez rencontré pour la première fois? Rappelez-vous, c'est dans les quêtes, d'ailleurs si je dis pas de bêtises, c'est les Grizzly Hills, c'est dans les quêtes de Wotelka, Wrath of the Lich King, pour la première fois. Et à cette époque, rappelez-vous comment on parle du roi Lich, hein. C'est la grande menace, il faut le tuer, il faut blablabla, il faut le détruire pour le bien de la horde, pour le bien de machin, etc. Nazgrim ne fait pas exception à ce moment-là, hein. C'est pour le bien de la horde, il faut tuer machin, etc. Et là, le type, il vient d'avoir son libre arbitre avec la mort du roi Lich, et il est en mode, ouais, pas de soucis, mon patron est un humain, et le roi Lich en plus. Tout ce qui définit le personnage, bah les couilles, quoi, c'est extraordinaire. Et pourtant, dans les quatre cavaliers, il y en a deux autres qui auraient été beaucoup plus légitimes, sachant que ces deux personnages-là sont les représentants de la Horde et de l'Alliance. Nazgrim, du coup, sera le chevalier de la mort qui sera présent hors Grimmar pendant le pré-patch, et peut-être pendant le début de Shadowlands, sachant que Whiteman, elle, sera le représentant de l'Alliance. Ce qui est génial, c'est que t'as Nazgrim, qui s'est battu contre la Horde présente actuellement, hein, je veux dire, ça a été quand même le grand, c'était le pro-Garrosh anti-Thrall à ce moment-là, et Whiteman, elle faisait partie de la Croisade Écarlate, pardon, quasiment toute sa vie, donc l'Alliance, bon, elle connaît pas trop trop bien, quoi, hein, c'est plutôt des Lords erronés qu'elle connaît, elle, donc, et ils vont être accueillis à bras ouverts, des grandes fleurs, félicitations, quoi. Alors que tu as deux autres personnages, beaucoup plus légitimes à ces postes-là, et qui, eux, pour le coup, connaissent Bolvar. Ça aurait été intéressant de faire en sorte que ces deux personnages-là soient potentiellement des antagonistes dans le pré-patch, et soient opposés, donc j'espère qu'il y aura des explications pour comprendre pourquoi ils aident toujours Bolvar.
Et le oui, mais on est un peu perdu. Non, non, ça passe pas. Hein. Sylvanas a été perdue hein, directement. Elle est partie en vrille. Hein. Donc, faut pas déconner. Hein. C'est que quand ça les arrange. Ça. Par contre, donc, comme je disais, les deux autres cavaliers, t'as Darion. Bah, Bolvar, pour le coup, ne l'a pas damné. Au contraire, il partage un destin un peu commun. Donc, Darion peut comprendre un petit peu Bolvar. Donc, s'il y a bien un des quatre cavaliers qui peut servir Bolvar, même s'il n'est plus roi Lich, pour moi, c'est Darion Mogren. Et sachant que Darion aura un rôle important en plus dans l'extension, enfin important, attention, il va avoir des choses à faire dans l'extension sans plus de spoilers, mais il va avoir des choses à faire dans l'extension, et c'est un rôle mineur hein, bien sûr, mais il y aura quand même des trucs, contrairement à ces deux autres là, pour le moment on s'en fout, genre vraiment, et vous avez Thoras Trollbane qui était quand même le roi de Stromgarde, un des rois des sept royaumes de l'Alliance, et au final on sait que maintenant Danath est de retour, on sait qu'il y a l'arc de Stromgarde et le front de garde d'Arathi qui a été gagné par l'Alliance. On sait que Thuralion est de retour et le commandant de l'Alliance au pré-patch. On sait également que Greymane, donc Gen Griset, qui était aussi un des rois, bah, il connaît Thoras. C'est peut-être l'occasion de les ramener. Il y a Kaliaménéthil qui revient, il y a Lonsus Faol qui est de retour. C'est des personnages de Warcraft 2, peut-être qu'un Thoras serait plus légitime. Et sachant que Bolvar, bon, il devait le connaître, Bolvar devait être un petit fantassin à ce moment-là, un sous-off, mais, ou un petit officier, mais ils peuvent avoir un petit lien, je veux dire. On peut plus comprendre que Thoras lui pardonne que ces deux-là en fait. Mais bon, ça ces choix-là, j'espère qu'il y aura des explications, mais il y a très forte chance qu'il n'y en ait aucune. Donc bon, ça c'est vraiment un souci, encore une fois, bah, c'était Légion qui nous montrait aussi que Darius. Enfin, c'est Bolvar, hein, le responsable de la condition de mort-vivante de ces deux-là, hein, quand même, faut pas l'oublier. Un autre point, bien sûr, donc j'en ai parlé de Darion et de Thoras, donc les représentants, hein, et Thoras, pour le moment, ne sait toujours pas où il est en plus, c'est un peu dommage, en tant que représentant de l'Alliance, ça aurait été vraiment excellent. Autre point, est-ce que vous avez fait attention à la voix, le doublage? C'est très drôle. Alors, petit point d'ailleurs, j'ai parlé de l'apparence de Whitemane, l'apparence de Nazgrim. En plus, on pourrait dire, ouais, mais Malga, il a changé, etc. Regardez sa cape, c'est pas le même modèle qu'à Légion en plus, sa cape, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est une cape Corcron. Du siège d'Orgrimmar justement avec les chaînes ou un truc Warlord of Draenor. Mais ça c'est le clan Warsong, hein. C'est le symbole du clan Warsong. Donc bon, encore une fois en tant que fidèle de Garrosh, on te le rappelle quand même quoi. Et alors la voix de Bolvar, écoutez bien. Je savais qu'elle viendrait un jour. Ça vous rappelle pas quelque chose ça? Cette petite voix, je vous la remets deux secondes. Ça vous rappelle pas une voix ça? Moi ça me rappelle quelque chose. Qu'elle viendrait un jour. Cette intonation. Qu'elle viendrait. Un jour. Ça me rappelle un autre Marcus Jonathan qui a pris 22 minutes de CGI. Oh, mais oui, c'est vrai, le doubleur d'Arthas, c'est le doubleur de Sorfang, de Varrok Sorcrow. Et du coup, eh bien, c'est lui qui double Roi Lich, et là, il n'est plus Roi Lich, et il double Bolvar. Et là, vous allez me dire, bon, bah, c'est normal, pas de problème. Il y a un petit problème. Si vous avez joué à la bêta ou que vous avez regardé des streams de la bêta, eh bien, ils ont ramené son ancien doubleur, c'était celui qui doublait les humains en random à Vanilla, c'est le doubleur random des humains de Vanilla, qui double Uther, qui double Kel'Thas, c'est le grand doubleur de Kel'Thas, et il double, comme il avait doublé Bolvar sur la cinématique du portail du Kourou, eh bien, il redouble Bolvar en jeu, à Shadowlands. Or là, c'est le doubleur de Sorfang. Petite erreur, mais c'est quand même un petit peu marrant. En tout cas, ça annonce le teaser, préparez-vous à 22 minutes de CGI de Bolvar Fort Dragon, 7 légendes au dragon doré, bien sûr, pour Shadowlands. On a... Je vous laisse bien sûr aller voir la vidéo sur Bolvar. En l'occurrence, on a petit point également concernant ce qu'elle dit. Il dit justement qu'elle était prête, enfin, qu'elle voulait ce pouvoir, il savait qu'elle viendrait un jour. Donc là, on va parler plus important au niveau du fond. Elle voudrait ce pouvoir pour elle-même. Donc ça, c'est intéressant parce que ça fait directement écho à la cinématique d'intro de Shadowlands où en mode, en fait, beaucoup de gens ont été étonnés que Bolvar laisse passer Sylvanas. Et on se disait, bah, pourquoi il l'arrête pas instantanément? Bah, Bolvar, lui, ne sait pas ce que compte faire Sylvanas. Et il s'attendait à ce que Sylvanas essaye de prendre la couronne de Roi Lich pour devenir une Reine Lich ou quoi que ce soit. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce que j'avais évoqué déjà sur la vidéo d'intro, moi, ça me choque pas. Ça me choque pas parce que déjà, si vous avez fait Légion, si vous avez fait BFA, Bolvar, il accueille souvent des personnes, en fait. Il y a souvent, en fait, des personnes qui viennent à Icecrown pour demander conseil au Roi Lich, ou en tout cas avoir son de cloche, je dirais. Donc peut-être qu'il s'attendait à ce que Sylvanas fasse pareil. Et du coup là, on comprend bien qu'il ne s'attendait pas à ce que Sylvanas ait de telles ambitions et de tels projets. On refait écho bien sûr au petit flashback avec la cinématique. Et là, on va attaquer sur autre chose. Donc
Finalement, elle va s'en prendre à tout le monde, blablabla, blablabla. Point très important, ce sera probablement ma dernière vidéo sur BFA. Je vais parler de la fin du front de guerre, et ça, peut-être que certains ne le savent pas, ils peuvent se dire c'est Eldrassil. Non, non, c'est le mont Ijal, donc c'est Nordrassil, qui est tout simplement le premier arbre-monde d'Azeroth. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien, c'est la première capitale des Elfes de la Nuit. Les Elfes de la Nuit, hein, Eldrassil, Darnassus, ça existe que depuis même pas 10 ans, en fait, dans l'univers de Warcraft. Donc c'est nouveau, la capitale historique des Elfes de la Nuit, c'est ici, c'est le mont Ijal. C'est Warcraft 3, blablabla, c'est le mont Ijal. Et l'arbre monde. Donc le mont Ijal qui redevient la capitale à partir de la 8.3 de BFA, suite à la destruction, suite à la victoire de l'Alliance à Darkshore, les Elfes de la Nuit n'ont plus Eldrassil, donc ils sont obligés de récupérer leur ancienne capitale, donc ils vont au mont Ijal. C'est également dit dans l'armée des ombres, à savoir Shadow Rising, le bouquin qui servira entre BFA et Shadowlands. Pour le coup, ce bouquin, contrairement à Crimes de Guerre, Before the Storm et les livres d'avant Cataclysme, il n'est pas du tout obligatoire pour comprendre Shadowlands, c'est un plus. Mais il rappelle également ce qui a été dit dans BFA la 8.3, à savoir que les Elfes de la Nuit ont repris comme capitale le mont Ijal. Voilà, c'était un petit point important. Enfin, important, soit pas si important que ça, mais c'est important. Pour comprendre, voilà, où sont les Elfes de la Nuit. On voit Chandris, que j'adore, et Tyrande, que j'adore également, en premier plan. Et là, c'est assez intéressant, puisqu'on va écouter aussi ce que dit Bolvar. Bolvar précise, et là, on est assez imagé, c'est plutôt qualitatif à ce niveau-là, c'est que Bolvar commence à faire des phrases à rallonge pour expliquer, voilà, elle veut terminer ce qu'elle a commencé. C'est pas par hasard qu'on nous montre les Elfes de la Nuit, c'est Eldrassil, c'est le fait qu'elle ait tué des milliers, voire des millions d'innocents, bon, peut-être pas millions, mais des milliers, oh, remarque, des milliers d'innocents, des centaines de milliers d'innocents, avec la guerre des épines du début de BFA et la destruction de Eldrassil. Donc, elle veut terminer ce qu'elle a commencé. On voit directement, en plus, en lien, Tyrande, qui, je le rappelle, a fait son rituel de la guerre de la nuit, que vous voyez aux yeux noirs, pour pouvoir se venger de Sylvanas, pouvoir venger les Elfes de la Nuit. Quelque chose de très important, que j'ai vu sur le deuxième, sur mon deuxième visionnage, je l'ai remarqué. Vous savez, Tyrande a toujours, là c'est la, j'allais dire c'est la boîte de Warcraft 3, les Elfes de la Nuit. À l'époque, elle avait les cheveux bleus, bien sûr, mais elle avait toujours ses marques, cette marque-là, très connue. Sauf que c'était un tatouage plutôt blanc, en fait, plutôt blanc ou bleu. Enfin, c'est pas quelque chose comme ça. Or là, on sent que la... Et même à BFA, elle n'avait pas forcément ce même modèle-là. On sent qu'en fait, il y a un stigmate, une espèce de peau écailleuse pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien aussi. C'est un arc qui va encore avoir de l'importance, bien sûr, à Shadowlands. Je ne spoilerai pas. Mais c'est un arc qui montre qu'il se passe quelque chose au sein même de Tyrande. À côté de ça, Chandris aussi a un rôle. Les deux, on va avoir un rôle à Shadowlands. Chandris, bien sûr, plus mineur que Tyrande, mais Tyrande aura un rôle assez important, mine de rien, dans Shadowlands. Donc, encore une fois, on nous montre les grands protagonistes. On nous montre les grands protagonistes de l'extension. Sauf, bien sûr, Whiteman et Nazgrim, qui sont là pour pas grand-chose. Et encore une fois, c'est dommage de pas avoir mis Darion et Thoras. Là, on nous parle. Et brisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est brisé, ceux qui se sont mis en travers de son chemin, ça va changer de personne, de personnage. Il parle de brisé, ce qui est assez intéressant, puisque Jaina a Battle for Azeroth, on nous montre Boralus, Kul Tiras, et on nous montre Jaina et Taelia. Alors déjà, bien sûr, Taelia, c'est, je le rappelle, la fille de Bolvar. Allez voir la vidéo sur Taelia, Bolvar et Kalia Menethil. Pour la théorie, il y a des choses très, il y a des choses vraies et la théorie donc du conditionnel, mais c'est important puisque Taelia, eh bien, c'est la fille de Bolvar et elle sait pas que son père est mort. Enfin, elle pense que son père est mort et elle ne sait pas qu'il est le roi Lich, enfin qu'il était le roi Lich du coup. Donc on va avoir aussi, ça va avoir son bien sûr sa petite importance à Shadowlands. Et du coup, eh bien, brisé, ça fait écho à Jaina aussi, et puis même la fille, hein, on pourrait imaginer aussi la fille, mais surtout Jaina, parce que Jaina à BFA, elle a eu son propre arc où voilà, elle s'est remise énormément en question. J'avais dit que je ferais une vidéo, donc je compte aussi en faire une sur Jaina par rapport à BFA, mais c'est pas fini. Mais du coup, Jaina, elle a été totalement brisée dans BFA avec son arc concernant sa mère, son père, le deuil d'Arthas, tout ça, tout ça. Et c'est ce qui lui a permis notamment de pardonner à Thrall et à la Horde et de devenir ce qu'elle devient. Enfin, ce qu'elle est, elle est redevenue un petit peu comme elle était à War 3, mais en version plus mature. Donc c'est assez intéressant de parler de brisée en nous montrant Jaina, parce qu'elle a été véritablement brisée. Et en plus, elle a vu un aperçu des Terres d'Ombre à BFA, avec Drosvar et tout ce qui est lié à Gorakhtul. Et là, du coup, tous ceux qui se sont mis en travers de son chemin, on nous montre les Thunderbluff, on nous montre Thunderbluff, donc Mulgore, les Tauren, avec bien entendu Bane, Bloodhoof, Blaine, Sabot de Sang et Myla, du coup au Rock.
On nous montre les deux, et ce qui est assez intéressant, puisque Bane est clairement celui qui, dans la Horde, c'est le plus mis contre Sylvanas avec Sorfang, mais c'est surtout Bane à la base. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Bane, eh bien, aura, on va y revenir juste après, mais lui aussi, eh bien, il devrait avoir un rôle assez important à Shadowlands. Et Myla, pour le coup, c'est un rôle mineur, mais elle va devenir l'un des chefs du conseil de guerre de la Horde, à savoir le corps dirigeant de la Horde, en l'absence de pas mal de monde. Mais du coup, elle fera partie, et notamment, bah, elle sera liée dans les quêtes du pré-patch pour la Horde, donc à Orgrimmar. Et en plus, bah, ne l'oublions pas, ça fait un petit peu écho, et d'ailleurs, la visibilité est à peu près la même à la cinématique où il disait que Bane avait été libéré des griffes de Sylvanas, et que du coup, ils avaient dit que Sylvanas se vengerait. Il aurait dû avoir un front de guerre dessus à Mulgore, hein, finalement ça n'a pas eu lieu, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on revoit le même arc de cinématique, comme si ça répondait à la cinématique de Thrall et de Jaina. Je mettrai dans la description. Ensuite, ceux qui ont maintenu l'unité d'Azeroth, l'unité évidemment, on nous montre Thrall à Orgrimmar. Thrall, celui qui s'est battu pour l'unité d'Azeroth en permanence, que ce soit à War 3, WoW, etc. On nous montre Aggra, qui aussi aura un rôle mineur, comme un petit peu Myla, au sein du conseil de guerre de la Horde pour les événements du pré-patch, mais bon, ce sont pas un gros rôle, mais elles auront un rôle quand même. Et Thrall, bah, lui aussi, hein, on va y revenir juste après. Donc ce qui est important, c'est que la cinématique, gardez ça à l'esprit, je vais y revenir juste après, mais on nous montre ensuite Anduin et Greymane. Bon, pour le coup, Anduin et Gengreymane. Bon, Gengreymane, c'est probablement celui qui déteste le plus Sylvanas de tous, hein, parce qu'il a énormément de choses à lui faire reprocher. Je referai une vidéo d'ailleurs sur la cinématique de Légion qui est très importante pour Shadowlands. Mais Greymane, il n'est pas content, évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est bien sûr, ils sont sur la tombe de Varian, et c'est pas pour rien que je dis que je vais refaire un truc sur la vidéo de Légion, c'est parce que, eh bien, Shadowlands répond à beaucoup d'intrigues, bien sûr, de BFA, mais énormément d'intrigues de Légion. Or, ça fait longtemps, c'est 2016, beaucoup de gens ont oublié certaines choses de Légion, et qui sont pourtant très importantes, notamment, bien sûr, la mort de Varian, qui, à l'époque, notamment Greymane, eh bien, avait imputé ça à Sylvanas. Et je rappelle, mais c'est au début de Sylvanas que le flux des âmes a été modifié, comme j'en avais parlé dans les autres cinématiques sur Shadowlands. Donc, on nous refait écho au début de Légion, et notamment aux agissements de Sylvanas début Légion, et donc à Thorndheim avec Greymane. Donc c'est assez intéressant de nous remettre le petit son, même si c'est pour le fanservice aussi, du petit son de Varian pour nous rappeler un petit peu les enjeux qu'il y a eu, et ce qu'il pourrait y avoir à Shadowlands. Anduin, bien sûr, qui est toujours un petit peu tristouné, bien entendu, il est sur la tombe de son père qu'il aimait énormément, donc c'est logique. Et là arrivent les Entreliges, ces espèces de Kyrian de l'antre qui arrivent sur un coup de tonnerre et qui arrivent très vite et qui enlèvent Anduin. Alors évidemment, on pourrait rigoler du fait que Anduin, c'est toujours lui qui se fait enlever, hein. Avec Onyxia, il s'était fait enlever, Amop, il s'est fait enlever partout. Mais le truc, c'est que moi personnellement, la forme, je m'en fiche un peu. Ils arrivent par surprise, ils utilisent leurs espèces de chaînes d'ombre. Les chaînes d'ombre dans tout ce qui est Warcraft 3, etc., souvent ça silence, ça avait un effet de silence. Alors c'est du gameplay, donc on va pas le tenir, mais c'est surtout l'effet de surprise, personne s'y attend, donc la réaction est lente. Ils auraient peut-être pu un peu mieux faire la forme pour montrer que il essaye d'utiliser la lumière et finalement les chaînes vont le bloquer, ce qui aurait fait écho au silence. Et par exemple que Greymane se transforme et essaye de faire quelque chose mais n'y arrive pas. Évidemment, ils auraient pu mettre un peu plus la forme, mais globalement, attaque surprise, ils s'y attendaient pas, ils se font enlever. On va pas crier à l'incohérence, ah là là, Greymane qui est très fort, ils auraient dû combattre. Quand tu es sous l'effet de surprise, il y a plein de choses qui peuvent te surprendre. Enfin, quand l'effet de surprise est là, bah, on ne réagit pas forcément toujours de la même manière. Par contre, moi j'adore. Évidemment, ça, c'est le moment où je rigole énormément. Moi j'adore. J'adore ce personnage. Je vous laisse aller voir la vidéo sur Greymane et autres, mais Sylvanas, c'est probablement celui qui, sur la liste d'attente contre Sylvanas, est numéro 1. Il a tellement, tellement perdu à cause de Sylvanas, il lui en veut tellement, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo, je l'ai dit. En tout cas, ça m'a fait rire, parce que j'adore Greymane, et quand il dit ça, quand il gueule comme ça, Sylvanas, toute ma vie, putain! Je l'imagine en Benoît Paire, là. Donc, juste pour conclure, sa venue annoncera notre fin. Donc là, c'est random phrase qui annonce un grand méchant qui arrive en début d'extension et qu'on va évidemment défoncer en fin d'extension. Ça, c'est le teaser classique, ça fait 15 ans de World of Warcraft, vous avez l'habitude. Il n'y aura pas de problème, hein. La fin de toute chose, il vient nous tuer. Oui. Hein, on sait très bien qu'on les battra à la fin. Donc là-dessus, hein, t'as beau parler avec, t'as beau nous faire un regard caméra en mode ah, ça arrive, on sait comment ça va finir. Du coup, par contre, quelque chose de très important, c'est que ces entreliges enlèvent Anduin, mais ils n'enlèvent pas qu'Anduin. On le verra bien sûr avec le pré-patch. Vous allez me dire, oh, spoiler, en vrai, bah,
pré-patch, il est déjà jouable, hein, donc vous pouvez y aller. Et à Shadowlands, eh bien, on sait qu'il y a 4 personnes qui ont été enlevées, et c'est pas pour rien que ce plan nous le montre. Eh bien, il y a Jaina qui a été enlevée, il y a Bane qui a été enlevée, il y a Thrall qui a été enlevée, et il y a Anduin qui a été également enlevée. Donc on a 4 personnes qui ont été enlevées. On sait que Tyrande aussi, il y a eu une tentative pour l'enlever, mais elle a résisté, probablement grâce à son pouvoir de garde la nuit. J'espère quand même qu'on aura plus de détails là-dessus, mais c'est les deux seules qui ont réussi à survivre à l'enlèvement. Elfes de la nuit, hein, les meilleurs. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que Bolvar l'avait potentiellement pressenti, parce qu'il se disait qu'elle allait probablement cibler des personnes importantes dans la défense d'Azeroth. Ce qui est très drôle aussi, c'est que Tyrande, à l'heure actuelle, elle dit, Bolvar dit l'unité, tout ça, tout ça. On sait que Greymane, l'unité, pendant un moment, il en avait rien à foutre. On sait que Thrall, pendant un moment, il s'est barré, donc l'unité, pas terrible non plus. Bane, pour le coup, lui, l'unité, il l'a toujours voulu, donc je vais rien dire. Jaina, bah, entre Cataclysme et BFA, elle avait un peu la haine contre la Horde. Et Tyrande, c'est plutôt elle actuellement qui est pas vraiment dans l'unité. Donc c'est assez drôle de parler d'unité quand on nous montre 4 sur 5 personnes qui, l'unité, en avait un peu rien à foutre. Mais bon, c'est assez marrant. À ce niveau-là, ça reste tout à fait cohérent et c'est ok. Et donc, c'est bien, ces personnages-là vont être enlevés. Et pour le coup, par exemple, avec Jaina et Talia, ça explique aussi pourquoi Talia va faire tant de choses pour essayer, dans le pré-patch et le début de Shadowlands, pour essayer eh bien, de délivrer son amiral suprême, hein, son dirigeant, qu'elle n'a pas pu sauver. Je ne sais pas si on aura plus de détails sur les enlèvements des autres personnages, mais il est fort à parier que voilà, Talia, elle a vu son chef se faire enlever devant ses yeux. Maela, elle a vu son Husbando se faire enlever, donc c'est assez intéressant. Pour le coup, je comprends un peu plus la logique et certaines phrases que Talia donne à Shadowlands. Mais du coup, voilà, pour ce qui est de cette cinématique, je la trouve très bonne au niveau des visuels et autres. L'intro, bien sûr, il y a énormément d'incohérences, comme d'habitude, liées au Roi Lich et aux morts vivants. Mais bon, ça, on est plus... Enfin, c'est du Wotelka, hein, donc pas de problème. Hein, on a l'habitude. Ce qui est juste chiant, c'est que Shadowlands aurait pu essayer de corriger ce genre de choses. On verra s'il y aura plus d'explications dans le pré-patch. Et début Shadowlands, j'espère qu'il y aura des petites phrases, des petites interactions qui nous expliqueront ces revirements de personnages. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette analyse vous a plu. Je mettrai voilà, les vidéos citées, je les mettrai dans la description. Vraiment, celle de Sylvanas et de Gen Greymane à Légion, je referai une vidéo dessus parce qu'elle est très importante pour Shadowlands. Et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite d'agréables journées. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. J'espère pas avoir été trop long. Il y avait quand même des choses à dire, donc voilà, plein de bisous. N'oubliez pas le petit follow, ça fait toujours plaisir, le petit like, le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir.